Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Valentin, évêque de Terni, donc au 3e siècle. Alors il était évêque donc de Terni en Ombrie, et il fut un homme puissant en œuvre et en parole. Il fit de grands miracles, entre autres il guérit d'une maladie humainement incurable le fils de Craton, philosophe très connu de sa ville. Donc ce malheureux père sollicita lui-même très vivement cette guérison, quoiqu'il fût encore païen. Valentin lui en fit la promesse, s'il voulait auparavant se faire instruire, lui et sa famille, dans la religion chrétienne et recevoir le sacrement de la régénération baptismale. Cette condition préalable ayant été acceptée et exécutée par Craton et par toutes les personnes de sa maison, Valentin se mit en prière et la santé fut subitement rendue au jeune homme, ce qui combla toute sa famille d'une grande joie. Donc ce prodige servit aussi à la conversion de trois jeunes Athéniens qui étudiaient sous Craton, à savoir Proculus, Phébus, Apollonius, ainsi que celle du préfet de la ville nommé Abondius. Le juge Placide, apprenant cet événement, fit trancher la tête au prélat après avoir vainement tenté de l'amener à l'idolâtrie. Les trois jeunes gens ci-dessus nommés le transportèrent secrètement dans la ville de Terni, et pour ce fait, ayant été arrêtés par Lycentin, ils scellèrent de leur sang la foi qu'ils avaient reçue de Valentin. Donc le crâne de Valentin, martyr, se conserve aujourd'hui dans la ville de Kirdorf et y est honoré par un grand concours de peuple. Au XIe siècle, lorsque la presqu'île de Jumièges était ravagée par les mulets et les rats, on invoqua Saint Valentin, évêque de Terni, qui poussa toute cette engeance à la Seine. On montre encore la route et l'abîme où ces rongeurs allèrent se noyer. On l'appelle l'un le chemin et l'autre le trou des îles. Alors, c'est un récit assez court où il y a un focus de fait sur un élément, donc à savoir cette demande de guérison, cette demande donc de miracle et l'instruction qui est donnée par Saint Valentin, qui par l'intermédiaire effectivement de c'est la grâce divine qui agit en lui et qui fait qu'il peut faire ce miracle, mais c'est également la parole auparavant, l'annonce de l'évangile à des païens. C'est très important à notre époque de se dire que certes nous vivons selon les lieux où nous sommes, il y a des lieux où la foi est probante et il y a des lieux où la foi est absolument absente. Et il faut se dire que même dans les milieux les plus païens, même dans les milieux donc les plus paganisés, où la superstition, le pseudo-athéisme, etc. vit, eh bien ceci est certes un choix libre des hommes ou pas. Quelquefois, c'est un non-choix, quelquefois, on tombe dedans, quelquefois, il y a des circonstances qui font que, mais il ne faut pas justement se dire que c'est forcément un choix fait en connaissance de cause et qu'il n'y a rien de possible. Tout est possible à Dieu. S'il y a bien des endroits où il faut annoncer l'évangile, c'est effectivement dans des lieux où l'évangile est absent. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on est souvent dans un confort que le pape souvent souligne en disant que voilà, il y a des chrétiens de salon. C'est ces chrétiens qui, peut-être, mettent catéo. J'extrapole, ce n'est pas les paroles du pape, mais là, j'extrapole un peu l'image que j'en ai quand j'entends parler de ça. C'est peut-être celui qui met catéo, qui va à sa petite messe, qui discute de religion avec son ami qui s'y connaît bien. Et puis, de temps en temps, à des moments particuliers, Pâques ou Noël, font des œuvres et sont contents. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours grandir dans la sainteté et il faut toujours aussi grandir en œuvre. Et ces œuvres-là traduisent notre foi. Non pas qu'il faille faire des œuvres pour les œuvres ou en pensant qu'on puisse faire tout de nos propres forces. Bien au contraire, c'est Dieu qui agit en nous. Et l'annonce de sa parole, c'est quelque chose qui agit de lui-même aussi parce que la parole est quelque chose de très puissant. Cela vient de Dieu, c'est un don qui est donné par Dieu et l'effet qu'elle peut avoir dans le cœur, les graines qu'elle peut planter, c'est quelque chose qui n'est pas de notre sort. Alors, annoncer l'évangile est non seulement un devoir pour nous, mais une extrême nécessité dans les milieux où il n'y a pas l'évangile. Ou encore pire, là où il y a l'évangile soi-disant déjà annoncé, mais refusé. Parce que il peut y avoir des personnes qui sont soumises à une sorte de pression sociale, ou alors vous savez, on suit souvent un peu la majorité ou le groupe. Beaucoup de personnes ont des a priori sur l'Église qui sont des fois des purs mensonges. Mais c'est parce que c'est ce qu'on leur a appris. Et quelques personnes mal intentionnées savent très bien ce qu'elles font quand elles mentent sur l'Évangile et sur l'Église. Donc des personnes sont influencées de façon négative à
à croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et le but du chrétien est aussi de rétablir la vérité. Donc, ce qui est important pour un chrétien, c'est toujours de se rappeler qu'il est là pour annoncer l'évangile, non pas pour l'imposer. On le voit dans ce récit que cette personne demande un miracle à Valentin. Et certainement que il y a, surtout à cette époque, le fait de se dire bah, je suis païen, je crois en plusieurs dieux, pourquoi pas lui? Donc on se dit, voilà, ça pourrait marcher. Donc il y a une forme de superstition et de paganisme. Et si Valentin n'annonce pas l'évangile avant, eh bien ce miracle, déjà, n'aurait peut-être pas eu lieu, mais surtout serait vain et ferait que cette personne penserait que ce miracle proviendrait d'un des dieux auxquels il croit. Et donc il pourrait aller vaquer à son occupation et à ses occupations habituelles et à sa foi en invoquant d'autres dieux ailleurs et puis avoir le même résultat. Non. C'est bien clair dès l'Ancien Testament. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu en lequel vous devez croire. Il n'y a que deux chemins. Soit ce Dieu, soit la mort. Alors on ne peut pas jouer avec ce genre de choses. D'où cette bonne procédure, je dirais, de Valentin qui d'abord annonce et ensuite demande au Seigneur qui puisse faire ce miracle et que pour que cette personne puisse être bien consciente de qui agit. Ce n'est pas Zeus, ce n'est pas Athènes, ce n'est pas je ne sais quel dieu. Alors j'ai dit Athènes, je ne les connais pas tous, mais j'ai sûrement il y en a tellement Apollo, etc. Non, ce ne sont pas eux qui font les miracles. C'est Dieu, le Dieu trois fois saint, annoncé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Alors, nous pouvons demander à Saint Valentin le courage de nous tourner vers les personnes qui ne sont pas dans la foi, les peuples ou les contrées paganisées. Aujourd'hui, le paganisme est fortement présent, malheureusement, dans nos sociétés occidentales qui se disent très rationnelles et qui sont loin de l'être. Ce sont toujours ceux qui se disent le plus rationnel et donc on le regarde le plus, soi-disant, ils lient les deux, mais ils ont le regard le plus critique envers la religion parce qu'ils sont très rationnels. Cependant, c'est les mêmes qui lisent l'horoscope ou qui croient en la voyance ou en d'autres fumisteries ou qui se donnent corps et âme pour des personnages politiques véreux. Donc, on voit bien que finalement l'homme n'est pas croyant ou non croyant, il croit en quelque chose ou en une autre. Et c'est à nous, chrétiens, de corriger cette déviation par la grâce de Dieu et toujours en respectant la liberté de la personne, c'est-à-dire que l'évangile s'annonce, il ne s'impose jamais. Alors nous pouvons demander l'intercession de Valentin, de Saint Valentin. Alors il y en a plusieurs hein, des Saint Valentin, donc en voici un. Et nous pouvons demander son intercession afin qu'il puisse nous donner cette grâce du Seigneur d'avoir le courage de nous tourner vers les peuples paganisés et surtout donc de pouvoir leur annoncer l'évangile et de laisser le Seigneur agir en nous pour cela. Saint Valentin, priez pour nous.